Bonjour les chéris. Je vais vous proposer une vidéo technique informatique. Alors pitié, pitié. N'oubliez pas que je suis très limitée, mais je vais quand même tenter de vous montrer certaines choses sur le fonctionnement de la chaîne parce que je vois que c'est pas au top, top, top. Un cassis, on va leur montrer un petit peu. Ouais. On va vous montrer. Donc là, on a le tout début à l'arrivée sur une chaîne où tu n'es pas abonné. Tu vois là, c'est en rouge parce que tu n'es pas abonné. Alors, je clique dessus pour m'abonner. Là, tu es abonné. Seulement, si tu veux être au courant de chaque vidéo qui sort, il faut que tu cliques sur la petite cloche. C'est-à-dire, tu, hop, voilà, recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Donc là, je ne vais pas cliquer, mais en gros, tu es averti sur ton téléphone, sur ton ordinateur, qu'il y a une nouvelle vidéo de la chaîne où tu es abonné. Attends, je me désabonne. Que je ne sais même pas ce que c'est que cette chaîne, ça ne m'intéresse pas. Voilà, je t'ai montré. Ça, c'est le tout, tout début. Donc là, maintenant, je retourne sur ma chaîne. Donc, Ombre écrit ça. Ça et ça, tu ne l'auras pas, puisque ça, c'est parce que bah, c'est ma chaîne. Donc, c'est pour que je puisse modifier certaines choses. D'ailleurs, tellement modifié que j'arrive même pas à modifier l'en-tête que je voulais mettre à jour, mais bon. Là, tu as donc l'en-tête. Là, c'est si jamais tu veux participer à Tipeee. Et là, alors c'est là que je veux te montrer. Donc, ici, tu as regardé, tu vois, regarde, tu as toutes les vidéos récentes. Et là, tu as les playlists. Je vais t'expliquer après pour les playlists. Ça, c'est notre accueil quand tu es abonné chez nous, à notre chaîne. Si jamais tu n'es pas abonné, tu as la première vidéo de présentation que j'ai faite, je ne sais pas si tu te souviens, avec des photos où je présente tout le monde, les camping-cars, les animaux et nous. Quand tu cliques sur vidéo, voilà, là tu auras la même chose que moi, le temps que ça se charge. Là, tu as toutes les vidéos qui sont classées d'une façon chronologique. Donc, en haut, tu as la dernière arrivée. Donc, là, j'écris ça qui répondait à tes questions. Et ensuite, tu peux, voilà, tout regarder, etc. Ça défile. Bon, moi, mon internet est un petit peu lent. Voilà, tu as toutes les vidéos qui datent, etc. Ensuite, là, tu vas sur Playlist. Donc, on clique dessus. Avec Rissa, nous traitons notre chaîne comme une vraie chaîne de télévision. Dans une chaîne de télévision, tu as différentes émissions, différents films, etc. et tu choisis ce que tu veux regarder. Donc là, à chaque fois, nous les classons suivant ce que nous proposons à l'intérieur. Donc là, c'est la causerie entre vous et nous. C'est à chaque fois qu'on a envie de vous parler, etc. D'ailleurs, les foires aux questions, etc., ça va aller dans la causerie entre vous et nous. Coquelicot et Foxy sur la route, ben, ce sont nos voyages, nos aventures. Il y a quand même 120 vidéos déjà, hein. La dernière à 4 jours, je pense que Chrissa a dû la mettre ici et pas dans causerie, c'est pas grave. Ah non, mise à jour hier, non, c'est bon. Non, non, c'est bon, elle a dû mettre là, j'ai pas fait attention. Et tu peux soit, tu vois, toutes les regarder. Alors là, ça en fait un paquet. Soit tu cliques ici, juste sur le titre, et là, tu auras toutes les vidéos de cette playlist. Là, les Nomades Tuto, c'est quand on vous fait des vidéos avec certaines explications par rapport au GPL, par rapport aux impôts, etc. Zeste de tourisme, c'est plutôt Chrissa qui vous présente une ville, un endroit qu'elle visite, etc. Et elle vous aborde certains sujets suivant ses envies.
Les shorties, ce sont des petites vidéos qui durent très très peu de temps, quelques minutes seulement. On vous présente sur un court moment une petite quelque chose. Cuisine facile de tous les jours, en général, c'est plutôt moi qui fais des petites recettes. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et tu vois, il n'y en a que 10. Donc après, tu peux retrouver la vidéo que tu as envie de revoir suivant le sujet. D'ailleurs, je vais en rajouter, ça c'est une information en primeur. Donc, je vais bientôt rajouter, en ce qui me concerne, les nuances d'ambre dans la playlist, parce que j'ai envie, j'avais pas réalisé que Cassie était encore derrière moi. J'ai envie maintenant de parler un petit peu plus de moi suite à vos questions. Au groupe, on va dire, vraiment d'abonnés très 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 présents sur la chaîne, suite à toutes vos demandes, vos remarques, etc. Effectivement, je vais répondre à vos demandes en faisant une playlist et en faisant des choses plus personnelles, même personnelles avec ce que je fais comme activité, mon écriture, mes réflexions. Plus ou moins sérieuse, peut-être des petites activités, je ne sais pas. Et je vais l'appeler les nuances d'ambre. Donc dedans, je mettrai que des choses qui me concernent personnellement. Krissa va également faire une playlist avec des choses qui ne la concernent qu'elle. Je ne vais pas la créer pour l'instant parce que je ne sais pas quel est le nom qu'elle veut donner encore à sa playlist. Voilà, qu'elle détermine, qu'elle baptise sa playlist. En tout cas, c'est dans le menu playlist que tu pourras trouver suivant le contenu des vidéos. C'est vrai que c'est dommage que YouTube, quand on est abonné, ne nous précise pas dans quelle playlist de la chaîne est la vidéo. Parce que c'est vrai que certaines personnes, je repense à certains, quand Krissa a fait sa vidéo sur les pompons, tout le monde n'était pas intéressé par les pompons. Effectivement, en tant qu'abonné, ça serait bien que tu puisses savoir à l'avance. Bon, bah voilà, c'est un tuto de Krissa. Bon, j'ai pas envie de la regarder faire des pompons, j'ai pas envie d'apprendre des pompons. Voilà. Ça serait bien que YouTube nous propose ce genre de choses pour les abonnés. Pour moi, parce que moi aussi, je suis abonné sur des chaînes, bien évidemment, comme tout à chacun. Et je verrai dans les suggestions, je vais peut-être essayer de mettre ça dans les suggestions de YouTube s'ils nous posent des questionnaires. La suite. Alors donc ça, c'est le nouvel onglet communauté. Donc, tu as vu que c'est nouveau. Cet onglet communauté n'est pas sur toutes les chaînes encore. Donc, comme tu le vois, nous, on a la possibilité de mettre une vidéo, de faire un sondage ou de mettre une image et de rédiger un petit quelque chose. Donc j'ai testé l'autre jour, je vous ai fait une vidéo de 19 secondes où je vous parlais un petit peu du souci que j'avais avec Internet. Et finalement j'ai trouvé, Krissa et moi on en a parlé, et c'est vrai qu'on a trouvé que c'était pas agréable parce que ici on peut mettre que des vidéos de 15 secondes maximum, mais on est obligé qu'elles passent d'abord par les vidéos générales. C'est-à-dire que tu es obligé de taper, on va dire, la vidéo de 19 secondes, de 15 secondes maximum, dans l'ensemble des vidéos qui sont quand même beaucoup plus conséquentes, avant qu'elles soient dans la communauté. Donc ça, je trouve ça pas pratique du tout. Donc avec Christian, on s'est dit, on le fera pas. Voilà. Donc la vidéo de 19 secondes a servi de test. Vous avez été nombreux à réagir, et positivement d'ailleurs. Mais ça ne nous a quand même pas plu de faire que ça, quoi, que 19 secondes. Voilà, par contre, on va continuer par des petites photos. Voilà, Krissa là, est partie au bord de l'Atlantique pour quelques jours avec ses histoires de turbo, etc. Elle ne vous l'a pas encore annoncé, la petite coquinette, je vois. Elle va sûrement le faire. Là, voilà, on vous tient un petit peu informé. Et là, voilà, grâce à ça, j'ai pu vous informer
par rapport au fait que j'arrivais pas à télécharger la vidéo. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, j'ai toujours pas réussi à la télécharger. Donc je vais retenter, mais la communauté, c'est ça. Voilà, il faut que tu ailles sur la chaîne pour avoir tout le menu. Ensuite, les autres chaînes, bah là, moi, j'en ai pas. Hein. Voilà, moi, j'ai pas d'autres chaînes. Et le à propos, là, c'est simplement résumé de qui on est, vite fait. Et là, vous pouvez afficher l'adresse, mais je l'ai remise ici, notre adresse mail en commun. Voilà, je crois que maintenant, tu sais tout. Non, tu ne sais pas tout. Parce que j'ai lu des commentaires de personnes, par exemple, on va prendre cette vidéo. Voilà. On prend cette vidéo. Et là, quand vous êtes abonné, vous arrivez directement sur cette page, cette vidéo. Bien sûr, pas tout ce qu'il y a là. D'ailleurs, je m'en sers pas de ces trucs, mais bon. Donc, oui, je pourrais l'enlever. Quand je vous dis en bas de la vidéo le descriptif, c'est ici. Voilà. Ce descriptif, il y a souvent des choses qui changent, on va dire régulièrement. C'est où tu as toutes les informations et c'est surtout où on vous met systématiquement maintenant un lien de où nous sommes, un lien direct avec Parc Fortnite. Donc tu n'as que à cliquer dessus. Là, il n'y en a pas puisque ça fait un petit moment que nous sommes à Améchial et on l'a mis déjà le lien et on ne l'a pas remis à chaque fois. Donc là, il y a tous les commentaires, tous vos commentaires. Donc après, là, tu vas aller sur communauté. Il te suffit de cliquer sur, voilà, tu vois la main? Ambre écrit ça. Donc tu cliques ici. Et là, ça t'amène sur la chaîne générale. Voilà. Voilà. Ça t'amène sur la chaîne générale avec la présentation. Et là, tu peux aller où tu veux, communauté ou pas. Ah, je vais répondre à une question qui a été posée par rapport à la communauté. Oui, quand tu es abonné et que tu as cliqué sur notification, tu es informé des nouveautés de la communauté. Oui, comme tout abonné. Et si tu n'es pas abonné, tu as un petit onglet pour t'abonner si tu en as envie. Voilà. Je pense que j'ai tout dit à peu près. J'espère que je n'oublie rien. J'espère. Si tu as d'autres questions, de toute façon, tu n'hésites pas à les poser. Je répondrai du mieux que je peux. Oui, du mieux que je peux, parce que je suis quand même pas une pro de l'informatique. Je réfléchis vite avant de te dire au revoir. Cassie, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? On a d'autres choses à dire, ma Cassie? Non? Bon. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de la chaîne, des petites explications, hein. Pour ceux qui continuent, non. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne suis pas une pro de l'informatique, je le dis, je le redis. C'était une petite explication parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont un petit peu perdues. Encore une fois, nous, on propose des choses sur notre chaîne. On traite notre chaîne comme si c'était une chaîne de télévision, carrément, avec plein de choses, parce que c'est plein de choses, une vie. On a plein de choses qu'on aime, etc. Et après, bah, toi, tu fais comme tu as envie. Voilà. C'est la même chose que pour Tipeee. Si tu as envie, tu participes. T'as pas envie, tu participes pas. Si tu veux regarder les vidéos, tu regardes pas. Voilà. En tout cas, moi, j'ai tenté de te présenter la totalité technique. Maintenant, amuse-toi bien. Gros bisous. Tu fais un bisou, ma Cassie? Tu fais un bisou? Salut!